Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer un sujet fondamental, la maîtrise des émotions et son lien avec l'équilibre intérieur. Les émotions sont des énergies puissantes, capables de nous élever ou de nous submerger. Et lorsqu'elles sont équilibrées, elles deviennent des alliées précieuses sur notre chemin spirituel. Les émotions, elles sont souvent perçues comme incontrôlables ou alors difficilement gérables, mais en réalité, elles peuvent être équilibrées et maîtrisées avec conscience. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes, elles sont plutôt des messagers, des signaux qui nous montrent ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et pourtant, quand elles prennent le contrôle, elles peuvent devenir des tempêtes intérieures qui perturbent notre énergie, notre esprit et même notre santé. Imaginez que nos émotions sont comme des vagues sur un océan. Parfois, elles sont calmes et douces, et d'autres fois, elles peuvent devenir agitées, voire déchaînées. Notre rôle est de ne pas nous laisser emporter par ces vagues, et de retrouver un point d'équilibre, un centre stable à partir duquel nous pouvons observer et gérer ces émotions avec calme. L'une des clés pour maîtriser nos émotions est l'observation consciente. Prenez le temps de vous arrêter et d'observer ce que vous ressentez sans jugement. Plutôt que de réagir immédiatement à vos émotions, prenez une pause pour respirer profondément et vous recentrer. Cela vous permet de vous reconnecter à votre centre intérieur, là où réside votre équilibre. Nos émotions sont extrêmement puissantes et cela va bien au-delà de notre expérience personnelle. Nous avons reçu le message que les émotions humaines, si elles ne sont pas équilibrées, elles peuvent non seulement déstabiliser notre propre énergie, mais aussi avoir un impact sur les énergies collectives, voire même les énergies galactiques. C'est pourquoi il est vraiment essentiel d'apprendre à les gérer, non seulement pour notre bien-être, mais aussi pour tout l'équilibre planétaire. Et lorsqu'elles sont équilibrées, nos émotions, elles deviennent des forces créatrices. Elles nous permettent de nous connecter à notre intuition, de guérir les déséquilibres énergétiques et aussi d'influencer positivement tous ceux qui nous entourent. L'émotion, elle devient alors une puissance alignée et un vecteur de transformation. Alors, comment pouvons-nous réellement maîtriser nos émotions? Tout commence par la respiration consciente. La respiration est l'un des outils les plus simples et les plus puissants pour ramener l'équilibre dans notre système émotionnel. Prenons un moment pour pratiquer ensemble. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration par le nez et expirez lentement par la bouche. Continuez à respirer ainsi en prenant conscience de chaque inspiration et de chaque expiration. Imaginez que chaque respiration calme les vagues de vos émotions, les adoucit, les ramène à un état d'équilibre. Lorsque vous inspirez, imaginez que vous inspirez la paix, la sérénité. Et lorsque vous expirez, vous relâchez toutes les tensions, toutes les émotions perturbatrices. Prenez encore quelques respirations ainsi, jusqu'à ce que vous sentiez un sentiment de calme et de stabilité en vous. Cette simple pratique de la respiration consciente est un outil puissant pour maîtriser nos émotions, en tout cas les gérer au quotidien. Et en prenant quelques instants chaque jour pour respirer en conscience, vous pouvez transformer des tempêtes émotionnelles en vagues plus apaisées et retrouver cet équilibre intérieur qui est essentiel pour votre bien-être. Rappelez-vous que gérer vos émotions ne signifie pas les réprimer ou encore les ignorer. Au contraire, c'est vraiment apprendre à les reconnaître, à les accepter, à les accueillir et à les transformer en énergie positive, alignée avec votre essence. Lorsque nous apprenons à maîtriser nos émotions, nous nous alignons avec notre vérité intérieure. Cet alignement n'a pas seulement un impact sur notre propre vie. Il contribue également à l'harmonisation collective de l'énergie sur la Terre. En cultivant l'équilibre émotionnel, nous participons donc à l'éveil global et nous soutenons l'évolution vers un monde plus harmonieux. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette exploration de la maîtrise des émotions. Prenez soin de vos émotions, elles sont vraiment une partie précieuse de votre chemin spirituel. Et n'oubliez pas que l'équilibre intérieur est la clé pour créer un monde aligné avec l'harmonie, la paix et l'unité.
Si cette vidéo vous a inspiré, eh bien pensez à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur l'éveil spirituel et l'harmonisation énergétique. Et puis, ensemble, cultivons l'équilibre intérieur pour transformer notre monde.